Quartier Benoni, Johannesburg, Afrique du Sud. Nous sommes en pleine usine de fabrication de papier toilette. Cette matière utilisée tous les jours, il est plus qu'un simple produit hygiénique. L'entreprise s'appelle Right Choice, en français les vrais choix. Elle est pilotée par ses deux entrepreneurs congolais, Félix et Dan. Ils sont tous frères croyants au message du temps de la fin. Ils viennent de mettre sur pied ces projets qui nourrit pas mal d'avenir. Oh, présentement, ce que nous sommes en train de faire ici, nous avons beaucoup de choses que nous faisons ici. Et que ce que vous voyez, il y a présentement les papiers hygiéniques, ce que nous appelons en anglais toilette paper. Nous nous situons présentement tel que nous sommes à Benoni, présentement dans les quartiers industriels, sur l'avenue Lincoln Street numéro 4. C'est là où nous sommes présentement. Nous sommes en train de travailler avec les amis sud-africains. Nous en restons chez eux ici. L'entreprise est née il y a juste quelques mois, mais elle fait déjà l'objet de toutes les attentions. Comme vous pouvez voir, nous fabriquons le papier hygiénique. Nous sommes en train de fabriquer le papier hygiénique et amener ça dans le marché et dispatcher partout dans le marché ici en Afrique du Sud. Donc nous avons des contacts dans chaque province ici en Afrique du Sud. Bien que petite, la société Right Choice compte déjà plus d'une dizaine de travailleurs et tous sont sud-africains. Ils sont heureux de travailler pour les Congolais. Okay, my name is Christine and I'm staying in Raihapa. I'm currently working here in Benoni South and we are manufacturers of toilet papers. And we just started recently, but with the will of God, I hope that we will, and I know that we will achieve high levels with the will of God. So we just need to put hand in hand and then I'm sure we'll make it in the future. Thanks to my bosses for giving me this opportunity to work here. What I like, I feel comfortable, relaxed, no pressure. I enjoy with them. What I can say is that it's nice to be working here. Étrange, les Congolais qui emploient le Sud-Africain dans un job dans leur propre pays, chose qui n'arrive pas tous les jours, mais ces deux frères, eux, ont réussi à renverser la vapeur grâce à leur entrepreneuriat. Ils sont tous sud-africains. Nous n'avons pas de Congolais ici. Nous avons donné les travaux aux sud-africains. Et il serait aussi mieux d'amener la compagnie au Congo et donner aussi le travail aux Congolais. Le papier toilette, qui est un élément ordinaire de la vie courante, peut aussi constituer un investissement sûr pour toute une communauté. Ce que nous sommes en train de faire en Afrique du Sud, l'Afrique du Sud apprécie cela. Et que ça pourra aussi amener vraiment le développement chez nous, présentement au Congo, et amener vraiment le peuple congolais à diminuer le chômage, comme le président de la République l'a toujours dit. Voilà à quoi ressemble le papier toilette avant d'être transformé. Il fait environ 1,20 m de hauteur. Et pour atteindre sa taille standard, la bobine va être déroulée, puis enroulée et découpée en petits rouleaux et conditionnée en paquets de 10. Alléluia. À voir de près, l'harmonie est parfaite au sein de l'entreprise. Chacun est dans son poste de devoir, alors qu'à quelques mètres de là, c'est le bureau du manager. Elle est bien confortable dans son fauteuil. Et dehors, traîne cette Mercedes-Benz Sprinter qui assure la livraison des produits auprès des clients.
Plus les jours passent, plus la demande s'accentue, d'où une nécessité s'impose d'accroître la production, mais dommage, pas assez de moyens pour ces deux entrepreneurs qui jusque-là travaillent encore avec les moyens de bord. Il leur faut décidément encore beaucoup plus d'argent pour faire asseoir cette entreprise. Pourquoi pas amener ces choses chez nous au Congo? Et je lance cet appel. Le gouvernement peut toujours nous contacter. Nous allons amener ces projets au Congo et bouter hors le chômage du Congo. Parce que nous sommes des Congolais aimerant voir notre pays prospérer et aller de l'avant. Ce que nous trouvons comme difficulté, c'est seulement les fonds. Quand vous avez beaucoup d'argent, la chose va grandir. Vous allez faire quelque chose de tellement vaste. Et comme là, nous nous limitons seulement dans des provinces. Nous n'avons pas encore eu la possibilité de traverser la frontière de l'Afrique du Sud. Et cependant, nous avons des contacts que nous pouvons. Mais néanmoins, ils se montrent plus ambitieux et déterminés et ils affirment avoir bien d'autres projets similaires dans leur jubécière.